Oups. Allez, je suis lâche. T'as pris quoi, baguette? Oh, le FF! La baguette du top 8. Et tout le monde sur la tire, je te dégoûte. Ouais, c'est pas de chance. Pas de chance, mec. Un mec un de Kyo. Ok, t'en fais l'X3. On a voir avec tes mécaniques. Moi, je suis lâché au carreau, j'ai encore problème avec ça. Si, t'en fais avec ça. Je le vis très très bien, mec. Avec Liam pas content, c'est un known griefer. Dis ça, je dis rien. Ah, c'est too easy, M pour les deux ans. Ouais, bah. Deagle. Vilain Deagle, hein. Le début de la richesse. Oh, la vilaine sévère. C'est une game sévère menace. Bon, ça me parle. C'est Xion, merci pour le sub, bienvenue, bienvenue. T'es déjà en train de me griffer, mais c'est pas grave. Non. Tu sais que c'est vraiment une comp en plus. Je sais. Par contre, j'aurais posé Renekton Overkill pour acheter le Blitz. Non, c'est 1 sur 3 en avant. Enfin, frère. Je suis sûr, là, il est underground. Oui, mais oh. TG. Qu'est-ce qu'on va reroll? Ah ouais, TG là. Dans ton spot. Je pense TG. Ça, c'est, on si a c'est une game reroll, on est content. Si c'est pas une game reroll, on est content. Moi, je pense pas que ce soit TG. Hein. Je pense que tu prends deux et on voit ce qu'on reroll. Et tu vas open, t'as deux composants et... Oui, mais en fait, c'est peut-être des augmentero 3-2 et j'ai pas envie de prendre feeder weight, je suis pas sûr que ça me serve. Ça me sert tout le temps. Ah, prends TG alors. Feeder weight, c'est broken. Oh, TG, c'est très bien aussi. Oui, c'est bien. Non, TG là. Nasus, ouais. On place le shroud, puisqu'on transpire. C'est Jax, je reconnais. C'est vraiment pas Jax. Oh la BF diff. Pour le coup c'est vraiment BF diff. Oui. Ça c'est sûr mais... Bah pas spécialement hein. C'était peut-être 20 gold. Il y a 20 gold là. Bah fais 20 gold et prends le GP hein. Mets GP Sivir. Pour rester open Yumi. Ouais, ça marche. D'accord. Aussi. Check admin, oh, on jouera presque... Quasi garanti qu'on jouera jamais admin. Loss de zinzin. Pas mal. Et souhait, merci, merci. Oui, tu vas en faire 30 balles, mais peut-être qu'on peut abuser. 30 balles, hein. Tu peux voir? Oui, tu peux vendre Sivir là. Je vendrai Sivir. On joue Yumi, hein.
pas se mentir. Bah c'est grave une game Yumi là. T'as GP. Pas eu gold infini. Gros t'as gold infini, t'as genre baguette BF. Là tu prends un tir. Oui t'inquiète. Turbo free. 40 gold, 50 gold. Bonne chance. Je relève un peu au 4, pas trop je pense, on reste à 50 gold. Ça dépend si on est contest, mais je pense qu'on n'est pas contest. Lui il avance. Ouais on n'est pas contest en plus, c'est gratuit. Bah, je pense qu'ils ont vu mon start, ils se sont dit j'ai pas envie de jouer Yumi. Oh, par contre le jour du patch j'ai prévu de prendre ma journée là. Je vais jouer pendant 18h sur 24. Je vais récupérer tous les LP que j'ai pas réussi à grind. Travail. Je suis fait arnaquer tellement d'LP. Hein. Mais j'ai dit, de toute façon, le jour du patch, il y en a, ils ont grind, on sait pas trop comment, ils vont perdre 500 LP gratos. Il y a beaucoup de fraude APM dans le ladder. Mais ces méta là, je les connais, c'est... Tu vois les méta Elderwood, Veigar, Lulu où tout le monde roll en 3-2 là. Oui, c'est le même genre de méta de merde. T'as toujours les mêmes ploucs qui jouent les trucs, les mêmes compos à toutes les games. Rien à faire. Et tu te mets à jouer comme eux au bout d'un moment et... Du coup tu sais que t'es tout le temps contest. Ouais, c'est un piège parce que toi tu sais pas jouer comme un débile. Du coup tu fais des choix semi-débiles et tu perds encore plus. Bah ça dépend mais ouais. Gros. Moi c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. J'ai voulu jouer comme un débile et à bout d'un moment je me disais ah ben non je vais pas faire ça, bah si, tu vas en tout ton board. Fais voir les trois là. Bon t'inquiète, y'a personne qui... Ouais c'est bon, c'est bon. Je scoute déjà. Ouais. J'ai call ball jeune à ce moment 13 mois. Et on tue ça les gars. Allez. Let's go. Plus elle donne. C'est un des 7 que j'aime le moins. Ah bah. Moi j'ai arrêté d'espérer que Riot nous fasse des bons sets. Hein. Mais il est très bien ce set. Je pense que c'est vraiment pas un problème de set. Oh hein. Que si c'est un problème de set. Les augmentes de champions combinées à super, il y aura tout le temps des rerolls, mec. Je pense que t'es délu si tu penses que non. Non, je pense vraiment que non. Je pense vraiment que c'est pas un problème de set. On passe là ou pas? Oui, on passe. Deathblade Nasus 2. Ah, par contre, je l'aurais laissé à droite. Non, check pas, c'est free. Et j'ai oublié les crux il y a pas longtemps, je suis traumatisé. Ionic. Attends, slam pas, ça va être sur Malphite, je pense. Là, je pense tu rolls jusque 30 là. GP2 Nasus 2, Galio 2. Vas-y, parfait. Galio. Roll. Roll. GP. Roll. Encore un peu. Encore. Galio, parfait. Bouge pas. Hein. Du coup, bah, je pense que tu Ionic Galio. On a pas de Malphite. Non, bouge pas. On est en low streak. Non, j'avais pas bouge, mais. Ionic Galio, je pense. Tu lui mets la belt. Et on attend. Non. Ouais, on met rien. On sait jamais. En vrai, si on a Blue Battery, je fais Shojin Yumi. Oui, tu peux.
Ouais, tu pourrais. Théoriquement, tu pourrais déjà, mais je pense que. Je pense qu'on va grid comme des porcs jusqu'au max pour avoir bis de chez bis. Ouais, d'accord, c'est une compo pour vous, tu peux ne pas faire un. Et là, t'as. Précision machin là. T'as pas de précision. Exactement. On parle de ouf. Luden ? Ou. Luden, c'est bien, hein. Vas-y. Je pense que tu rolls un malfit, non? Attends, quoi que. Ah non, on peut pas. Bah non, soit je fais ça. Ouais. Bah. Soit je fais ça. Et je prends le palier. Je pense les deux Yumi, ça me parle. Ouais, ça me parle aussi. En vrai, on a pas beaucoup de Galio et pas beaucoup de. Colt et Yumi pour target la même cible. Inverse, Lee Sin et Galio. T'as une Ionic Spark, tu veux pas que. Non. Ouais. Ouais. Mais ouais, je mettrais Nasus au milieu du coup. Parce qu'il y a Azeroth. Non. Je veux dire au milieu de la map quoi. Là où il y a Lee Sin. Je suis mal exprimé, ça rien. Bon, c'est juste pas grand chose contre lui. En fait, c'est pas grave si Nasus meurt en premier parce que c'est un mascotte, derrière il donne des HP à tout le monde. Ah, il donne des, de la régène. Comment ça marche? Ah, t'as target des différentes. C'est un top 8 là. Ok. T'as beaucoup de Yumi. Beaucoup de Yumi, ouais. Ok. On a pas d'item quoi. C'est la phase compliquée sans item. Ouais, mais du coup on prend une pré au carreau et on est sûr d'avoir notre blue buff, ok. En soi, moi ça me choque pas de slam une gunblade, hein. Je pense que... Bah non. Ça va pas m'aider, hein. Sans blue buff, elle va casse deux fois dans le fight. Non, non, mais pas maintenant, mais après le carreau, je veux dire. Si t'as ta tire. Oh, je pense qu'on t'entend de tout, hein. Là. Moi je slam souvent des gunblades de deuxième item et je suis jamais déçu de gunblade. Ça rend vraiment. C'est que JS et spell crit. Ouais mais c'est pas grave, non mais c'est pas grave, si t'as un des deux c'est fine. Oui mais ça m'éloigne des deux quoi. Mais c'est ouais, le c'est le beast des. Le JS spell crit c'est le beast des bronzes, je te jure que gunblade c'est très très bien. Hein. Parce qu'en fait ton fight va durer plus longtemps, tu vas avoir plus de stacks de heart. Faire plus d'AP et t'as plus de survie aussi, il y a plein de matchups où ça va être intéressant genre. C'est contre un Vel'Koz 3. Nul, je te dis que ça me crame les deux de mes items de mon prochain item quoi. Mais tu t'en fous parce que ça te fait un item. Je pense que là je ferai Gunblade, absolument. Et en troisième tu fais Spellcrit ou GS, il y en a un des deux que t'auras pas et c'est pas grave. Tu peux te concentrer sur les autres items, les items de front qui sont tout aussi importants que les items Yumi. Je te jure que les games où t'as 3 items Yumi et pas de front, ça pue du cul. Moi mes meilleurs games c'est les games où j'ai rapidement mal fit 2 avec 2 ou 3 items, je peux t'assurer. Yeah. Si elle va vite passer 3, tu vas pas manquer de dégâts. Allô. Vas-y, va, roll. Bon bah... Ouais, là je le ferai 100% Gunblade du coup. Ouais, du coup on va chercher mal fit, non quand même. Ouais, ouais vas-y, va chercher mal fit. Ok. Arrêtez là. Je pense même pas que t'aies besoin de push 6 là. Non, pas. On a pas super mais c'est pas nécessaire. On va roll Nasus 3 et Galio 3 hein, pour chill. Oui, oui. Totalement. Par contre pourquoi j'ai vu Yumi 3 avant, 4, avant 5 Galio hein. C'est pas. C'est vraiment un jeu bizarre TFT des fois. Hein. Ok, Gunblade, dis ça. Je te jure que Gunblade c'est un très bon item. Hein. Les gens sont matrixés par Spellcrit JS, mais. En fait, je l'aurais pas slam au cas où t'avais pas la tire. Mais vu que t'as eu la tire, pour moi c'est un très bon slam. Ah, d'être bien enseigné sur la compo Yumi, tu as beaucoup joué, non? Bah, je l'ai beaucoup joué pour le coup, ouais. Parce qu'il y a plein de fights où c'est turbo clutch, hein. Je suis pas ok avec ça.
Et enfin, on a Luden, tu vois, donc ça aussi ça te donne un peu de dégâts. Et ouais, je te jure que le fait que t'es, enfin, que Yumi soit une unité art, allonger les fights, c'est synergisant de ouf avec. En fait, t'as des Yumi Blue Buff qui font 8k dégâts parce que le fight a duré 2 ans, tu vois. Ah, Yumi Blue Buff niveau 2, mais genre sans aucun autre item à côté, tu vois. Tu préfères stuff Malphite que Galio, toi? Ouais, généralement je stuff Malphite parce qu'il est trop fort. T'as un Malphite 2 à Galio 3? À Galio 3, non. Mais si tu penses que ton Malphite va passer 3. Va passer 3, quoi. Ouais, et si t'es loin de Nasus 3 à Galio 3, j'aime bien stuff Nasus 2. Malphite 2. Juste Malphite, cette unité pas balance. Je te jure, il fait trop mal et trop tanky, c'est ridicule. Genre le fait qu'il gagne de l'armor quand il caste. Tu sais ce qui fait que si t'as une Warmog, genre il est immortel. Bon, stop un peu. Bon, c'est pas mal. Je pense que dès que t'as genre 2 unités T3, t'arrêtes de te roll au 5, tu poses 6. Oui. Faut genre Nasus et GP ou Galio GP. Ok, t'as Nasus. Ok, t'as une spat mascotte, incroyable. Et t'as, ouais, ça tu slams. Tu fais spot mascotte. Tu fais spot mascotte. Voilà, tu la mets sur Lee Sin. Ou sur GP comme tu veux, je dirais Lee Sin. Et tu roll. Ouais, tu roll. Vas-y, moi je pense que tu vas. Alistar. Balek d'Alistar. Bon, si c'est GP. Galio, vire Galio. Give up Galio. Ok, chill. Moi je pense que du coup... Ouais. Du coup le seul truc qui est chiant c'est que les items sont galop. Je pense qu'on va continuer à roll au 6. Oui. Ce que tu peux faire c'est lock et continuer à roll au 6. On est 1-off GP, je pense qu'il va tomber. Et comme ça, moi, qu'on peut acheter ce Galio. Ni 3 stars. Et soit, en gros, ce qui serait bien c'est du coup... comme Galio... Ouais, rebuild. Ouais, comme ça on peut le rebuild. Je pense qu'on roll ou le infuse pour beaucoup plus tard, mais le truc c'est que notre niveau 7 c'est Alistar quoi. Parce que c'est le 6 mascotte. On grid Alistar. Hein. Ouais, je pense grid. Ouais, Alistar. Ramasse pas, ouais. Et là pour moi on roll. On ouais, tu roll, ouais. Malphite. Ok, parfait. Encore. Jusqu'à 10 gold, Panzu. Ok. Et là, pour moi, faut commencer à penser à level up. Ouais. Fais gaffe, locket. J'ai vu. Ok. Pour ça, j'ai mis en ligne. Et du coup, tu vas chercher baguette? Baguette ou BF, je pense. Mais la BF à part GS, ça fait quoi? La baguette, t'as fait plein de trucs. Hein. Elle fait Shojin. Ouais, baguette aussi. Mais t'as déjà Ionic baguette. En fait. Ouais, c'est... Non, mais la baguette, elle fait Rabadon, ça fait le crit à fond. Ouais, bah Rabadon est un mauvais item. Ouais. Oui, mais. Enfin, oui et non, quoi. Ah, si, c'est un très mauvais item. Tu joues Art. En vrai, gants c'est ok parce que si t'en as un deuxième, tu peux faire un TG et au pire ça fait des items GP, tu vois, t'as un GP 3 quand même. Pas sûr qu'on ait trop besoin de GS dans ce lobby. Non, il y a zéro brawler. Moi je ferais Spellcrit là. GS ouais. C'est moins important que Spellcrit. Après, on sort. GS c'est seulement bien dans les lobbies full brawler. Hein. Oh, la vilaine Kaisa qui va se faire one shot. Sinon, on met les items sur Lee Sin. C'est à Lee Sin 3 qui va arriver.
Ou alors tu les mets sur Alistar parce qu'on a l'augmente. Une belt single, si tu peux l'avoir, c'est très très bien aussi. Hein. Ouais. Okay. Moi je dirais gant. En vrai, je dirais gant plutôt que baguette. Ouais. Parce que t'as l'option TG, t'as Hoge, IE, t'as tous les items. Ouais, IE, ouais. Tous les items gants sont flexibles. Même Shroud, pire. Fais voir le top 1, hein. Top 2, il joue quoi? Playlist. Et Street Recon. Y'a pas un monde où on passe 7 et on se dit qu'on fait Lee Sin 3, le, mais je suis trop 7. Le push 7, tu rentres à Lee Star pour le 6 mascotte, il me va. Hein. Ouais, je me dis Lee Sin 3 il va tomber. Et... Ouais. Tu rentres à Lee Star et ça te fait un cook backline si jamais y'a un Z. Ouais, je pense plus ça. Mais moi j'ai un plan là, je me dis on remonte l'écho. Mmh. Et on fait Lee Sin 3, Malphite 3, Lee Star 3 au 7. Mais lui il a pas de dégâts, hein. Je pense qu'il va se faire chier dessus. Quoi? Lee Star 3, je sais pas. En même temps que Lee Sin et Malphite quoi, hein. Pour pas du super. Parce que le level up nous apporte plus rien. Hein. Si si. Nunu, Urgot, Syndra. C'est beaucoup de choses à faire. Hein. Moi je pense que tu fais juste Alistar 2, Lee Sin 3, tu swaps le gear de Galio et t'avances, je pense. Surtout que les items sur Lee Sin c'est très intéressant parce qu'il est art. Et du coup s'il spam cast, ça fait beaucoup d'AP pour la team, tu vois. Ah. En plus vu qu'il a une spat mascotte, il va soigner deux fois plus. Moi j'aime bien juste Lee Sin 3 et Alistar 2 et t'avances. Alistar 3 à mon avis c'est du bait. Et Malphite t'es trop loin. Moi je pense que tu vas aller chercher Syndra plus Nunu et on a gagné quoi. Après Nunu c'est même pas obligé, hein. Je dirais Urgot Syndra en vrai. Hein. Je pense que Nunu on s'en bat les couilles, hein. Il va rien faire du tout Nunu. Hop là. Bah oh. Incroyable. On récupère tes items Galio, je pense déjà. On sait jamais. Bah ouais, si tu veux. Mm. On sait jamais. C'est peu probable, mais en admettant qu'il y a un shop, 3 Galio. Why not? Ça coûte rien de les garder, quoi. Ouais. Prophétie. Oh le spell crit. Ouais. Absolument. Trop bien. Oh. Je pense, ouais. Au moins Lee Star 2. Ouais. Moi, pour moi, tu swap le gear. Swap le gear, on avance, on arrête de roll. Pas mal le TG au passage. A mon avis, tu mets sur Alistar, mais sur Lee Sin, c'est pas une mauvaise idée. Je dirais Alistar quand même. Ouais, j'ai peur que Lee Sin mette du temps à passer. Parce que le fait qu'il ait 300 HP bonus, c'est plutôt stylé. Ce gant, c'est un TG avec l'item que Urgot va nous donner. D'accord. Il met 900 Alistar là, t'as vu ou pas? J'ai tout vu. En vrai les gars on se plaint de la méta mais on a connu tellement 10 fois pire. Hein. Non. Si mec, non. Désolé. Déjà les 6 derniers mois de TFT étaient pires que ça. Oh. Le 7-7 entier était plus nul que ce patch. Dans son intégralité, même dans ses meilleurs moments. C'est... 7-7 ou le 7.5 Les deux réunis. Je pense qu'il n'y a pas un patch qui était meilleur que celui-là. Si. Non mec. Si. Le patch où je pouvais jouer Shimmer Goon avant que tout le monde sache que c'était broken. Ouais, c'était...
Et ça, c'était juste. C'était rigolo, quoi. Moi, je me suis bien amusé sur le 7.5 en vrai, vers la fin. Ouais, mais. Bon, ça en mode fun, quoi. Je suis sûr que quand t'es en train de tryhard les dragons, je sais pas. Moi, c'est ma pire expérience de TFT. Oh, les TG que t'as avec depuis tout à l'heure, Nasus. C'est vraiment broken TG Nasus pour le coup. Il l'utilise trop bien, il prend tous les items. AP, AD, tank. Trop fort. Sivir. Dommage. Le booming. Voir les match-up. Futaken, Akawonder. Pericon. Tu peux te permettre de mettre un Vel'Koz du cul contre eux. Ouais. Après une QSS contre eux. Ouais, peut-être pas. T'as un Shroud si jamais. J'ai plus. Tu peux one-tap les Z avec ton Alistar en backline. Oui, on voit. Le Shroud. Oh, la vilaine Yumi. Oh. Ah, pourquoi GS overrated. Me sens sale. De jouer Yumi. Bah, quand t'as des free game Yumi, faut les prendre. Hein. Non, mais je les prends, c'est pas la question. C'est parce que je me sens sale. Oh, les dégâts d'Alistar. 3k damage. Qu'assassin, ouais, c'était une dinguerie. C'est pas de civilian, c'est big. Sinon, t'as un locket 5 gold. Oui, oh. Sunfire. Putain de fire. Moi, j'aime bien. J'aime bien la stone plate et j'aime bien la spat civilian. Bien la Stoneplate. J'aime bien la Spat Civilian. Bien la Stoneplate. Et Spat Art sinon ? Spat Art, t'en penses quoi ? 304 ? Bah ouais. Oui, c'est rigolo. C'est bien. Contre l'histoire. Tu mets ça sur GP. Casse beaucoup. Ouais. Tu passes en 4. On mettra une Syndra même. Je sais pas pourquoi j'ai une Soraka. Oh, c'est Syndra Echo pour Star Guardian Aegis. Waouh! Des synergies. Les synergies. Pour le coup, c'est vraiment ça. Ah, O9 quoi, mais oui. Pas mal la Annie. ZK Deathblade. Bon, ça, ouais, c'est, pas un bon c'est pas du tout un bon match-up ça. Ouais, mais la Gunblade peut faire toute la diff dans ce match-up. Ouais, la Gunblade, ça je pense. Typiquement. En fait, c'est juste le placement, je suis passé comme un double contre lui. Non, mais il peut pas tuer ta Yumi en fait, c'est ta Gunblade. J'avoue. Putain, c'est Karim Diff. Il est trop fort sur la compo Yumi. Gunblade Diff. On dit long. Ma compo préférée, si Yumi. Un peu diffamatoire là, mais bon. Fais voir le matchup là. Essaye de placer Alistar devant son Z. Mais. Attends, je vais essayer de target. Fais gaffe, il y a un Shroud. Il va repartir de l'autre côté. C'est sûr. Tu sais que la Gunblade là, elle remet tout le monde full HP. Hein. Ouais. Et c'est 100 fois mieux que GS en fait. Dans un lobby avec 3 brawlers, non, mais dans ce genre de lobby, c'est juste turbo broken. Tu peux push. Comment ça push? Une merde. Alors là, je pense que si t'as un blue buff, y a pas grand chose qui est mieux que blue buff à part genre un troisième item à l'instar du genre Warmog. Rédemption, Imo, c'est du bait. Sunfire, c'est le meilleur item possible. Sunfire, c'est pas mal, ouais. Si t'as Morello, tu peux jouer Nunu. Blue buff, c'est pas mal. Hein. Je jure que blue buff là, tu le mets sur Lee Sin.
Pas sur Lee Sin, sur GP. Sur un GP Art. C'est pas Lee Sin en vrai? Non, je pense que c'est sur... je pense que c'est sur GP, il a 50 mana. Si tu veux, sur Soraka, mais GP il a 50 mana et il est niveau 3. Hein. Bon, ouais. Je pense que Nunu il joue pas. Ça fait chier, mais je pense vraiment qu'il joue pas. À moins que s'il passe 2, ça peut-être que tu give up Alistar et son augmente. Je pense. Parce que bah avec Ionic et cet item là, c'est très fort. Il va remonter. Ouais. En vrai, c'est ça, je pense. Hein. On give up l'augmente. Et on joue oui. Nunu 2 à place d'Alistar. Au 9, ouais. Bah, même s'il passe 2 au 8, on le met, hein, mais. Oui, mais là, on va pas roll. Non, on va pas roll. Oh, tu vas peut-être naturel. Over Galio. Non, que... Over Galio, je sais pas. Hein. Oh, le civilian, j'aime bien. Je pense que notre 9, c'est juste une Syndra. Hein. Fais voir le... Pas une Syndra, une... Non, mais fais voir la météo. C'est Windy. Windy, bah c'est Janna. Hein. On va juste jouer Janna, en fait. Bah, tu peux vendre Soraka. Ouais. Achète-le à Alistar, au cas où. Bah c'est ça, hein. Niveau 9, c'est Janna, et tu mets... Tu mets Nunu over Alistar. Ou si tu veux le mettre à la place de Galio, tu peux, mais... Je trouve le 2 civilian pas dégueu, mais... Y'a pas de 9, y'a peut-être un 9 hein, si on perd contre lui. J'ai boomé. Je pense qu'on perdra pas, mais c'est pas impossible qu'il y en ait. Si, j'ai boomé. Non, mais même tout à l'heure, tu l'avais chié dessus avec un mauvais positionnement et on est plus fort que tout à l'heure. En 4 art avec un blue buff Lee Sin. Regarde la pète Tayumi. Ouais, ok. C'est exponentiel parce qu'on a un spell crit. Sorry GG. Le mec il dit sorry quoi. Tellement magnanime. Mec, tu joues Yumi, je dis pas GG quand je joue Yumi moi. Tu es un dieu généreux. Écoute, merci pour les 45 LP hein. De rien.